Yo, c'est Renoiser, bienvenue dans Plug and Play. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, on s'occupe d'un gros bébé, aussi gros par son poids que par son prix, le Oberheim OBX8. Donc le truc, bah, c'est un tank, hein, il pèse presque 15 kg, donc c'est pour ça que je voulais pas trop montrer, parce qu'en plus, si je le fais tomber, il coûte quand même 5 300 €, donc c'est clairement le synthé le plus cher qu'on a testé sur la chaîne, et ça, c'est vraiment une chance. Et je peux vous dire que quand le colis, il arrive, et que vous vérifiez si tout va bien, il y a une petite suée qui se passe quand même. Donc ce OBX8, bah, c'est quoi? C'est tout simplement une version modernisée des légendaires synthés d'Oberheim, OBX, OBXA et OB8. C'est un synthé analogique polyphonique à 8 voix qui est bitimbral et qui va à l'essentiel. On retrouve deux oscillateurs avec les formes d'ondes classiques, triangle, dancy et largeur d'impulsion. On a un LFO avec deux destinations, deux enveloppes, une pour le filtre, une pour l'amplitude. On retrouve le filtre en façade avec trois options, celui de l'OBX, et un mélange de l'OBXA et de l'OB8 en 2 pôles et 4 pôles. Le truc intéressant, c'est qu'on peut aller dans les options et on peut avoir des modes en plus, dont le filtre du SEM. On retrouve également tous les presets qui ont fait le succès de la série OB, et il y en a un paquet. À l'arrière, on retrouve le port USB, le MIDI, les entrées pédales sustain, volume, filtre et arpeggiator, les sorties L et R, et une sortie mono. On a aussi une sortie casque sur le flanc de devant. Le clavier FATAR 61 touches est excellent, et d'ailleurs, c'est à l'image de tout le reste, hein. Tout est poussé en qualité maximale, tout fait plaisir à voir, fait plaisir à toucher. C'est vraiment un produit haut de gamme. Donc le pari de l'OBX8, bah, c'est de proposer toutes les couleurs qui ont créé la légende d'Oberheim. Tout ça réuni en un seul endroit avec un synthé très facile d'accès qui est très orienté musique live en fait. C'est vraiment un instrument qui est fait pour les claviéristes. Donc je suis désolé, je ne vais pas lui faire trop honneur car je suis très mauvais claviériste. Mais je vais faire au mieux pour vous faire écouter ce que ça donne. Bon, d'ailleurs, il est temps d'aller écouter ça et de se faire une petite prod. Allez, c'est parti. Donc pour cet épisode, je vais pas vous mentir, j'étais en panne sèche d'inspi, c'était un peu galère. Je pense que je me suis un peu trop mis la pression en mode « vas-y, t'as un synthé de ouf qui coûte 5 000 €, fais un truc de malade avec ». Et en fait, ça m'a bloqué un peu créativement, donc je suis parti sur un truc où j'ai pas trop l'habitude de faire. Allez, je vous laisse la surprise, on attaque. Pour commencer, je me suis fait une rythmique à 124 BPM, kick tout droit, snare, hi-hat et petite percu qui groove bien. Et ouais, vous me voyez déjà venir, on va partir sur un délire un peu plus dance floor, ça a changé un petit peu. Bon, avec cette drum, j'ai une bonne base pour tout construire autour. Pour me mettre un peu dans l'ambiance et trouver mon thème, je me suis fait une suite d'accords avec l'OBX8. Ouais, je suis un peu dans le cliché des accords magiques, pas totalement, mais pas loin. Mais vous allez voir, on va faire ça bien. Comme d'habitude, je recorde en MIDI pour faire mes automations en live, parce que j'aime bien ça, je trouve que ça apporte un côté un peu plus vivant, et puis au moins on s'amuse un petit peu à triturer les boutons. Dans la foulée, je me fais une belle basse pour venir renforcer les accords et puis donner un peu de coffre à tout ça. Et j'ai mis un petit portamento pour faire des petits glissés comme ça sur les notes et ça rend plutôt cool. Ensuite, dans Ableton, je les ai un peu édités pour faire des petites cassures et mettre un peu des breaks. Ensuite, je suis venu poser deux accords qui jouent un peu avec la largeur d'impulsion, ça donne un petit peu de mouvement, puis ça enrichit un petit peu la boucle.
profite de ce passage pour en mettre un en reverse et faire un effet de transition. Ensuite, pour rentrer vraiment dans le cliché un peu musique de l'été, un peu dance floor, je me suis dit, il me manque une petite voix, ce genre de petite voix qu'on entend dans tous les clips de vlog de l'été. Et bah voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher une voix dans le plugin Exhale, une banque contact qui est très cool pour les voix, bien qu'un peu cliché quand même. Par-dessus la voix, je vais ajouter un lead mélodique avec des LFO bien tranchants où je vais m'amuser un petit peu avec la molette de pitch. Le tout ensemble. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour créer du mouvement, j'ai joué avec le rate du LFO. Comme ça, ben, je profite aussi de la totale midification du synthé. Tout est pilotable en MIDI, et ça, c'est quand même très pratique. Voilà, on commence à y être un petit peu dans notre tube de l'été là. On a toute une première partie, maintenant je vais venir calmer le jeu dans la structure avec un petit break. Pour ça, j'ai été choisir un preset de l'OBX8 qui est plutôt cool, très scintillant, que j'ai contrôlé avec un arpeggiator depuis Ableton, parce que bah, je trouvais que l'arpeggiator était un peu trop banal, donc j'ai mis un mode d'arpeggiator un peu plus complexe via Ableton. Par-dessus cet arpeggiator, j'ai ajouté l'effet granulaire Fragment d'Arturia, qui est juste excellent et qui donne un côté un peu plus spatial, un peu plus smooth là, comme ça. Je trouvais ça plutôt cool. Pour enrichir ce break, j'ai ajouté un son pluck avec des accords. D'ailleurs, au passage, l'OBX8 est très très bon pour ce genre de sons qui sont assez purs et assez dynamiques. Les enveloppes sont tellement claquantes que ça marche super bien, c'est vraiment taillé pour. Pour rester dans l'esprit du break, je l'ai un petit peu saturé avec le Tube Culture d'Arturia et je lui ai ajouté un Fragment également. Ensuite, dans la structure, ça va repartir tout doucement. Et là, j'ai improvisé un petit peu. J'ai pris un preset de pad et je me suis un peu amusé avec le filtre, juste pour amener des petites touches comme ça de temps en temps. J'ai également mis un arpeggiator sur les plugs d'avant pour faire une variante. J'ai également fait une variante de la ligne de basse, puis ajouté une réponse au petit pluck. Le tout ensemble, ça donne ça. Et pour finir, comme souvent, je me suis fait quelques noise pour faire des effets de transition avec des LFO, toutes sortes de trucs, pour me créer des FX. Voilà, après un peu d'édition, un peu d'arrangement, un poil de mixage, et je pense qu'on a notre petit tube de l'été ou notre musique de vlog de voyage. Je sais pas trop où la caser, mais en tout cas, ça me fait grave penser à ça.
Alors dites-moi dans les commentaires si vous le validez, mon tube dance floor avec un synthé à 5 300 €. Je pensais jamais faire ça un jour dans ma vie, en tout cas. Bon, c'est vraiment pas le genre de morceau que j'ai l'habitude de faire, hein. Déjà, c'est trop happy pour moi, je pense. Mais je me suis quand même bien marré à faire ça. Je pense que j'étais dans une vibe où il faisait beau dehors. C'était un peu l'été dans ma tête. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, bah tiens, c'est marrant de faire ça. Et puis, ça fait du bien un petit peu de sortir de sa zone de confort. On va pas se le cacher. Allez, il est temps de vous donner mon humble avis sur ce magnifique OBX 8. Bon, bah déjà, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on est vraiment sur un synthé élitiste qui est fait pour des musiciens ou des passionnés qui ont les moyens de se le payer. Hein. C'est pas tout le monde qui peut claquer 5 300 € dans un synthé. Par contre, bah pour ceux qui ont les moyens de se payer ça, bah c'est vraiment une super belle pièce qui passera très bien dans les plus belles collections, dans les plus beaux studios. Ça, il n'y a aucun doute, tant au niveau du son que de l'apparence, que de la qualité. On est vraiment sur un truc haut de gamme qui est vraiment très appréciable. J'ai toujours du mal un peu à juger un produit de ce prix parce que ben, je sais qu'on paye aussi une marque par rapport à leur renommée, par rapport à leur savoir-faire et parfois leur qualité. Ici, on a tout, hein. On a la renommée, la qualité, le son, ça, il n'y a pas à dire. Par contre, est-ce que ça vaut quand même ce prix-là? Je ne sais pas. Si je fais abstraction du prix, je trouve que c'est un excellent synthé qui va droit au but, qui va à l'essentiel. C'est le polyphonique parfait pour les musiciens qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec une synthèse parfois trop complexe. Ici, c'est facile, ça va vite et on peut bidouiller un peu tout sans trop savoir ce qu'on touche. Y a pas grand chose, on peut pas faire d'erreur, tout reste très musical. Après, pour revenir au son, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, hein. Y a un truc de magique, y a vraiment une sorte de chorus naturel qui se mélange dès qu'on plaque des accords. Tout le système de voix se mélange un petit peu et c'est vraiment très joli. Ça reste très clean malgré que ce soit un gros analogique. C'est vraiment peut-être le plus clean de tous les analogues que j'ai essayé. Mais en fait, il y a quand même un charme analo derrière. Il y a tout qui bouge un petit peu. C'est vraiment très joli. Et c'est un son qui est assez pur, en fait, qui est vraiment très propre, mais quand même qui est vivant, quoi. C'est assez difficile à décrire. Et si vous êtes claviériste, bah, vous allez vraiment rendre hommage au truc. Vous allez vraiment savoir le rendre très expressif. Et c'est un peu la force de ce genre d'instrument aussi, quoi. Je trouve quand même que ça manque un peu de modulation. Un seul LFO, c'est un peu short quand même. Même si on a des options pour changer la phase du LFO selon les voix, ce qui fait que ça amène un peu de mouvement quand on va plaquer un accord avec un seul LFO, on peut avoir des mouvements comme si on en avait plusieurs. Donc c'est malin, mais c'est un petit peu short quand même. L'arpeggiator qui est bien là, hein, c'est cool, mais qui fait quand même un peu le strict minimum. Je trouve ça un peu dommage pour un synthé de ce gabarit de pas avoir un petit peu plus de folie dans les arpeggiators. Perso, je trouve aussi que ça manque vraiment d'une section d'effet. Bon après, je comprends entièrement le fait de vouloir reproduire exactement les synthés d'origine, de pas trahir la fidélité du son brut de l'époque, du son vraiment pur. Mais bon, quand on débourse ce prix et qu'on n'a pas une section d'effet, c'est un peu dommage quand même. Ça aurait pu être un bel ajout en tout cas. Bon, je vous avoue quand même que je l'aurais bien gardé au studio, hein, parce que bah, c'est assez exceptionnel de pouvoir tester ce genre d'instrument, ce genre de synthé vraiment high level. Ah oui, attendez, avant de partir, c'est pas fini, parce que je vous ai fait un petit comparatif avec le synthé virtuel d'Arturia, l'OPX-A, et le mode OBX-A de l'OBX-8, histoire de comparer un petit peu le côté analogique et le côté numérique. Alors bon, déjà, il faut savoir que l'OBX-8, il est plutôt basé sur l'OB8 que sur l'OBX-A. Même si il se veut reprendre les sonorités de l'OBX-A, bah, il se peut qu'il y ait quand même de légères différences entre bah, juste l'original et l'OBX-A dans l'OBX-8. Vous suivez toujours? J'ai fait pas mal de tests et parfois bah, on est vraiment très proche, si ce n'est similaire. Et parfois on est quand même un peu à côté, en tout cas il y a des belles différences malgré bah, des réglages similaires. Allez, on écoute un petit comparatif et je vous débrief ce que j'ai entendu. Ici, sur cet arpège avec des attaques très serrées, bah c'est très similaire. Hein. Je remarque juste un bas légèrement plus dense sur l'OBX-8.
Sur ces accords, c'est un peu pareil, hein, c'est vraiment très très proche, mais on remarque quand même un peu plus de détails, un peu plus de profondeur au niveau du hardware. Bon, sur cet exemple-là, avec le filtre ouvert, il y a vraiment une grosse différence par contre. Le plugin est très droit, ça bouge pas, alors que le hardware, bah, on sent qu'il y a un rapport de phase entre les voix, on sent que c'est vivant, on sent que ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment très différent pour le coup. Dans cet exemple, j'ai mis une attaque beaucoup plus longue sur le filtre et on remarque que les enveloppes ne sont pas calibrées pareil du tout. Il y a plusieurs modes d'enveloppe, une exponentielle et une linéaire. J'ai essayé les deux, j'arrivais pas du tout à avoir la même enveloppe que sur le PXA d'Arturia. En revanche, sur le son, c'est à peu près similaire si on fait abstraction de l'enveloppe. Ici, on est sur la forme d'onde triangle et c'est très similaire, malgré, encore une fois, cette petite définition plus bas, un petit peu plus précis depuis le hardware. C'est vraiment très léger par contre, franchement, il faut vraiment tendre l'oreille et avoir un bon système d'écoute. Pour cet exemple, j'ai poussé la résonance à fond, et là, clairement, ça n'a rien à voir. Le plugin d'Arturia est beaucoup plus sale, il sature, alors que celui de l'OBX8, il bouge pas, ça reste stable, on a toujours ce bas très défini. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup plus clean. Ici, je trouve qu'il y a une bonne différence aussi, notamment sur la dynamique. Je trouve que le plugin sonne beaucoup moins dynamique, mais sonne quand même plus comme un tout. Étrangement, cette fois-ci, le plugin semble avoir plus d'effet de phase entre les voix, contrairement au hardware, qui reste toujours un petit peu plus défini quand même. Dernier exemple avec un octave plus bas, c'est pareil, j'ai un peu une préférence pour le plugin à première vue, mais dès que je tends un peu l'oreille, j'entends beaucoup mieux la distinction des notes sur le hardware. Je trouve ça quand même plus propre et plus cohérent. On entend vraiment bien les notes malgré l'accord qui est posé. Tout se sort assez distinctement, c'est beaucoup plus précis. Donc globalement, ce que je retire de tout ça, c'est que le hardware sonne quand même beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Et c'est plutôt dans le bas du spectre qu'on l'entend un peu plus. Le plugin sonne vraiment très vite brouillon dans le bas, alors que le hardware reste clean, peu importe les situations. Bon, on est quand même d'accord pour se dire que c'est des différences vraiment minimes, hein, que le commun des mortels n'entendrait même pas la différence. Peut-être que même certains d'entre vous n'ont pas entendu de différence notable. Mais quand même, hein, comme je le disais, il y a une certaine magie dans la phase, dans ce qui se passe quand on pose un accord. C'est quand même quelque chose que le plugin a du mal à faire. Mais ça dépend encore une fois des circonstances, ça dépend du patch. Parfois ça marche à peu près, parfois c'est quand même un peu moins bien. Il y a aussi une forme de douceur sur le son et surtout de la profondeur. On sent vraiment qu'il y a un espace, c'est dû à la précision aussi. Bon, après, je pense que entre la conversion de mon montage et la conversion YouTube, je doute que vous ayez la même expérience que moi en réalité et en direct dans le studio. Mais vous verrez si vous entendez vraiment des différences. En tout cas, il y a vraiment une différence notable en réalité. Je suis vraiment content d'avoir pu vous tester ça. Et puis merci à Thoman pour la confiance, parce que c'est pas n'importe quel magasin qui vous envoie un synthé à 5000 euros avec tous les risques que ça comporte. Donc c'est très cool, merci à eux. Bon, après, est-ce que ces différences valent le prix?
Je vous laisse en débattre dans les commentaires. En tout cas, je suis curieux de voir votre avis. Enfin, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'y ai passé quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc, j'espère que ça vous fait kiffer de voir aussi un peu des gros synthés sur la chaîne. Donc, pensez au pouce, à l'abonnement, au like, au commentaire pour la force. Et puis, ben, en attendant la prochaine, ben, portez-vous bien. C'était Renoiser pour Plug and Play. Peace.